Scandale à la cathédrale Sainte-Audru de Mons. Des trésors ayant été abîmés par un ouvrier qui n'avait aucune compétence en restauration d'œuvres anciennes. Bas-reliefs brossés à la tige de fer, statues repeintes à l'acrylique de seconde main, les dégâts sont inestimables. On le sait, la Belgique a toujours été un gros chantier de rénovation en tout genre. Le palais de justice de Bruxelles, la E411, le visage des lieux d'Iroupeau. Mais il s'avère que d'autres scandales se produisent dans différents lieux de culte. Certains tentent d'alerter les autorités. Avant de pointer la paille qui est dans l'œil de ton voisin, eh bien, il faut regarder la poutre qui est dans le tien. Eh bien, celui qui effectue ses rénovations, c'est pas une poutre qu'il a dans l'œil, c'est de la merde. Tandis que d'autres tentent de minimiser les faits. Oui, il a travaillé dans ma paroisse, tout à fait. Il est un peu gauche, le bougre, hein. Bon, enfin, tout ça, c'est superficiel, mais regardez cette statuette, par exemple. Eh, merde. Oui, non, il m'avait prévenu que ça risquait d'arriver. Bon, c'est pas grave, il m'a laissé le matériel pour pallier à tout problème. Alors... Sur quels critères les entrepreneurs sont-ils recrutés? Quelles sont les références exigées? Nos églises sont-elles abandonnées aux premiers bricoleurs iconoclastes venus? Une nouvelle enquête d'Investigafon. Nous sommes à Foireux, petit village bucolique de Wallonie, où le curé de la paroisse nous accueille avec bonhomie. Oui, dites le restaurateur d'œuvres que vous avez engagé, eh bien celui de la cathédrale de Sainte-Audru. Ah ben oui, mais tout à fait, c'est quelqu'un de très dévoué, très habile de ses mains, à tel point qu'il réalise parfois quelques menus travaux ici au presbytère, et j'en suis fort satisfait d'ailleurs, hein. Mais qui est cet homme? Nous l'avons rencontré. Bien sûr que je suis compétent, hein. J'ai des références indiscutables, hein, moi. Regardez par exemple, ça je m'en suis occupé, regardez. Là, pas besoin de vous expliquer le problème, tout le monde voit ce qui manquait, hein. Ben, les bras, il n'y en avait pas. Une autre. Bon, là, c'est plus personnel, mais elle m'emmerdait, moi, avec son bête sourire. Alors, j'ai un peu essayé d'arranger ça, fait deux, trois bricoles. Ça, c'est à vous de les retrouver. Et je connais mon métier, hein. Je sais quand même bien ce que c'est un pinceau, hein. Un gros pinceau. Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. C'est une lettre anonyme qui nous a mis au courant des problèmes rencontrés sur le chantier. Nous avons pu rencontrer une fidèle des lieux. Oui, donc vous ne savez pas du tout qui est derrière ces courriers? Oh mon Dieu, non! J'allais justement envoyer à cet homme un courrier de réconfort pour ne pas lui envoyer des opprobres qu'il reçoit. Je trouve ça totalement injuste. Jacques-André, peux-tu me dire police? Ça s'écrit avec deux S ou un C? Je ne sais plus, je perds la tête. Nous avons rencontré le ministre chargé de la préservation du patrimoine. Tonton, vous êtes le ministre chargé de l'entretien des monuments... Mais ça, vous m'apprenez quelque chose. Attendez, je vais vérifier quand même. Ici, sur ma carte de visite... C'est le bazar ici. Ah, voilà. Attendez, hein. Sécurité routière, oui, vaccin, mer du Nord. Ah ben tiens, monument ici, tu avais raison, on apprend tous les jours ici, hein, dites-nous. Et vous pensez quoi de ces accusations d'incompétence sur ces chantiers de rénovation? Oh, vous savez, moi j'ai une toute confiance en Michelangelo, hein. Vous savez, c'est mon beau-frère, je le connais très bien. C'est d'ailleurs lui qui a refait ici tout mon mobilier, vous voyez, on est très bien. Ça... Bon, ça c'est quelque chose, ça. Et malgré ça, vous lui faites toujours confiance? Ouais, écoutez, je crois que son CV parle pour lui. Il a été responsable d'une chaudière dans une grande cathédrale parisienne. Ensuite, il a été responsable de la gestion des cuisines au gaz d'un réfectoire à Beyrouth. Aucun problème. Dites, ben voilà, hein, j'ai complètement pété la statue du Christ comme vous l'aviez demandé. Maintenant, c'est tout brique. Mais vous êtes complètement fou! Vous voyez ce que vous avez fait à la statue de notre Seigneur Tout-Puissant? Ben quoi, m'a demandé de la démolir, alors moi je l'ai démolie, hein. De la dépolir, on vous a demandé de la dépolir. Ah. Mais espèce d'hérétique. Enfin, restez poli. Mais regardez, il a complètement massacré notre Jésus-Christ. Et moi qui suis déjà en dépression parce que Jacques-André ne m'a plus touchée depuis... Depuis des mois. Mais ma fille, rendez-moi ce cierge pascal.
Ah, sa fille s'appelle Pascal. Népotisme, incompétence, irresponsabilité, tout cela est mis en lumière dans cette nouvelle enquête d'Investigafon. Ben voilà, c'est réparé. Il est comme neuf. Très vite donc. Ah, bien qu'on ne vienne pas me dire que ça ne fonctionne pas.